Hello la Soufraîche Team, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous parle d'une des premières questions que je peux vous poser quand vous venez me voir en consultation et qu'il est du coup intéressant de se poser à tout moment dans son parcours d'amincissement. Quelle est votre alimentation idéale? Alors, pourquoi cette question est importante? Parce que nous sommes tous différents, tout simplement. Et qu'il n'y a pas de régime qui fonctionne. Un régime, c'est quand on va vous dire, ben, il faut ne pas manger à telle heure et plutôt manger à telle heure. Il faut manger tel ou tel aliment et éviter tels et tels aliments. Il faut privilégier telles associations et ne pas mélanger les deux aliments ensemble, etc. Un régime va vous donner une ligne de conduite avec des règles à respecter. Et se plier à certaines règles peut vous convenir comme peut ne pas vous convenir, et c'est là que on peut reprendre les kilos perdus, car de toute façon, à un moment donné, quand on applique quelque chose qui ne nous convient pas, sous la contrainte du coup, eh bien, ce ne sera pas maintenu sur du long terme. Donc cette première question de quelle est votre alimentation idéale permet de définir plusieurs choses, à quelle heure vous préférez manger, ou en tout cas à quelle heure s'impose naturellement l'horaire de vos repas selon votre rythme de vie, selon vos horaires de travail. Qu'est-ce que vous aimez manger et à quel moment? Est-ce que le matin vous êtes plutôt sucré, plutôt salé? Est-ce que d'ailleurs vous êtes de la team petit-déj ou de la team pas de petit-déj? Voilà, en fait, il n'y a pas de règle. Est-ce que vous aimez manger du fromage le soir, des féculents le soir? Tout ça, c'est OK. Et ensuite, dans votre consultation, eh bien, je vais vous guider pour pouvoir équilibrer votre journée en fonction de vos besoins nutritionnels et de votre objectif. Alors voilà, posez-vous cette question et vérifiez aujourd'hui que vos programmes alimentaires répondent bien à vos critères d'alimentation idéale. Et si ce n'est pas le cas, surtout, parlons-en ensemble lors de votre prochain rendez-vous. Et si vous n'avez pas encore pris rendez-vous, eh bien, venez avec déjà les réponses à cette question pour votre bilan nutritionnel. Je vous souhaite une très belle journée.